Bonjour Eva, il n'y a pas d'internet, c'est très difficile. Youssef a disparu depuis le 22 janvier. La dernière chose que je sais de lui, c'est qu'il aidait des blessés dans la ville et l'avion a bombardé. Je m'appelle Leïla. Mon petit frère, Youssef, a rejoint l'État islamique à l'été 2014. Moi, quand je l'ai appris, Daesh, c'était l'axe du mal. C'était tout ce qu'il y a de plus noir dans l'humanité. J'espère qu'Allah reprendra nos âmes bientôt et qu'on rejoindra Youssef au paradis. Je n'arrive toujours pas à y croire. Les larmes ne quittent pas mes yeux. Vivre sans lui, c'est pas possible. Dans la dernière année, il nous a écrit à un moment donné pour nous annoncer que sa femme était enceinte. Wow. Incroyable. Tu reçois la nouvelle de son décès, c'est un choc en soi. Mm-hmm. Puis on entendait des horreurs à ce moment-là. On entendait que les gens à Barouz mangeaient le gazon qu'ils trouvaient tellement il n'y avait plus rien à manger. Comment elles vont survivre? La situation en Syrie continue d'être extrêmement dangereuse. Il y a des pays présents en Syrie. Le Canada n'est pas un de ces pays. C'est impensable que des sociétés laissent des gens comme ça parce qu'ils sont nés de parents qui sont considérés comme terroristes. Moi, je veux sortir ma nièce de là, coûte que coûte. Mais c'est là que ça va se compliquer. Bien sûr, c'est une patate chaude. Chaque pays essaie d'éviter le scandale. L'heure n'est pas au jugement, l'heure n'est pas au procès. L'heure, elle est au sauvetage. On sait que dans les camps, à l'heure actuelle, les femmes, notamment, contribuent à continuer de radicaliser les enfants. Can you understand that this is exactly why some people there don't want you back? Je ne sais pas ce qui est faisable. Par contre, je peux dire ce qui n'est pas faisable. Et c'est de rien faire.